Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance, encore une fois, ultra rapide, une séance spéciale abdos, abdos et gainage. Quand je parle d'abdos, c'est abdos et gainage. C'est ce qui va maintenir le tronc, aplatir la sangle abdominale et renforcer votre posture, améliorer votre posture. Donc, sans accessoires, je vous montre ça et je vous retrouve après. Enchaînez tout l'exercice sur 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Si c'est compliqué, vous pouvez prendre 20 secondes de repos. Vous adaptez le temps de repos par rapport à votre niveau. Vous enchaînez tout l'exercice. À la fin, vous pouvez prendre une pause d'une minute, voire 30 secondes, voire pareil, 20 secondes de pause ou 10 secondes de pause. Vous enchaînez par rapport à votre niveau sur 4 tours. L'idée, encore une fois, c'est vous, là ici, c'est vous cramer la sangle abdominale, mais ne pas vous blesser. Quand je veux dire ne pas vous blesser, c'est que vous ne devez pas avoir une pointe dans le dos. Si vous sentez un tout petit peu le dos, c'est pas normal, c'est pas le métier qui rentre. Des fois, j'entends ce genre de truc. Non, c'est juste que vous êtes en train de mal faire votre gainage. Le gainage est en train de lâcher, vous êtes sur une partie du psoas, en train de tirer sur le dos. Donc, quand vous faites du gainage, si vous avez mal au dos, vous relâchez complètement ou vous mettez sur les genoux. Vous trouvez l'option intermédiaire, l'option plus facile pour toujours continuer sur le gainage. Il n'y a aucun intérêt d'enchaîner l'exercice. Juste mentalement, essayer de tenir sans avoir une bonne posture, parce que là, vous avez travaillé votre mental, c'est une bonne chose, mais l'idée ici, c'est de travailler votre gainage. Donc, chercher à travailler votre gainage. Donc, essayez toujours concentré sur votre ventre, vous êtes toujours maîtriser le ventre. À partir du moment où le ventre n'est plus maîtrisé, faites soit une pause, quitte à reprendre, soit vous prenez l'option de base, l'option plus facile. Et à la fin du tour, vous faites une petite pause pour repartir à 100%. D'accord? C'est très important. Ça, c'est une erreur qui est courante. On va chercher à tenir le plus longtemps possible. Le gainage, on l'oublie. On va respirer avec le ventre doit bouger, le dos va bouger. On est content, on a tenu tout le long, mais on n'est pas à 100% sur le gainage. Donc, essayez de vous concentrer à 100% sur votre objectif. Attention également au crunch, tout ce qui est enroulement du haut du dos. Je cherche bien à décoller les épaules en serrant le bas du ventre le plus possible, en rentrant le ventre sous les côtes. D'accord? Donc, il y a un exercice où je vais chercher à maintenir les épaules levées, tendre les bras derrière la tête. Ici, plus ou moins loin derrière la tête, selon votre force, parce que plus je vais aller loin derrière, plus le dos va vouloir tomber. Donc, je dois maintenir les épaules levées à la part des abdos. C'est pas ça. C'est pas l'enroulement du dos. Parce que là, je vais tasser les organes vers le bas, je vais faire gonfler le ventre et je vais me plier la colonne. Je rentre le ventre. Je décolle un peu les épaules, enfin je décolle bien les épaules en rentrant le ventre le plus possible, en cherchant à m'auto-agrandir. Et c'est valable aussi pour le travail des obliques. Le travail des obliques, c'est je décolle les épaules, je rentre le ventre, j'aspire le ventre sous les côtes et je pivote doucement d'un côté et de l'autre. C'est des petites rotations, mais au moins je protège mon dos, je vais être bien sur le gainage, je protège mes organes, je ne pousse pas les organes vers le bas. Parce que ici, avec de l'élan, on va chercher à enrouler ici. Où on sent bien les abdos, on a l'impression de mieux travailler, sauf que là, je suis juste en train de plier ma colonne, en train de traumatiser mon dos, en train de pousser les organes vers le bas, alors que quand vous faites des abdos, c'est parce que vous voulez le ventre plat, et pas pousser le ventre vers le ciel. Enfin, on ne veut pas gonfler le ventre. Donc, on rentre le ventre, on cherche à décoller les épaules, et on pivote d'un côté, de l'autre, et pas vers les genoux. Faites vraiment attention à ce genre d'exercice. Voilà. Si vous voulez plus loin, encore une fois, j'ai des programmes au poids de corps sans accessoires, vous allez juste aller dans la description. Vous verrez mon site internet pour accéder à tous ces programmes. Sinon, vous cliquez juste ici pour y accéder. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !